La volubilité, vous nous en avez donné quelques exemples tout à l'heure, mais j'avoue qu'un petit exemple de plus... Est-ce qu'il n'y a pas là de quoi faire pâlir tous les clarinettistes du monde? Oui, certainement. Vous avez la souplesse? Et tout ce qu'il faut comme mordant. Et même mieux que du mordant, de la force. Et quand vous faites des effets de fondu, de velouté, alors c'est à pas, mais... Alors je vais vous poser une question qui m'intrigue. Comment se fait-il qu'un instrument qui a d'aussi riches possibilités ait mis si longtemps à s'imposer à l'orchestre? Je pense qu'à sa création, il a manqué un artiste comme Marcel Mull pour l'imposer. C'est tout. Vous voulez dire que le saxophone n'a pas eu pour lui l'avantage qu'a eu le piano au 19e siècle d'avoir un Chopin ou un Liszt? C'est exact. Et que Marcel Mull, qui est un immense... très grand artiste. Est-ce qu'on ne m'a pas dit, quelqu'un qui n'est pas vous d'ailleurs, que vous seriez quelque chose comme son élève préféré, son disciple, son successeur? Oui, mais qui ne dit mot consent. Ça veut dire que vous ne niez pas l'évidence. En tout cas, vous êtes l'élève de Marcel Mull. Ah oui, oui. Et vous nous affirmez sa valeur et le fait qu'il a apporté au saxophone, enfin non seulement la contribution de son talent, mais une véritable révélation. C'est exact. Quand un compositeur s'est-il avisé le premier de se servir du saxophone à l'orchestre? Adam Hamlet. Dans Hamlet. Dans Brass Thomas. Oui, peut-être. Ah oui, j'en suis sûr. Oui. 1868. Et ensuite? Ensuite, Bizet dans l'Arlésienne. 1873. Oui. Ça commence par un verre. Mon père était musicien amateur.